déçu du résultat. Maintenant, pas abattu parce qu'il y a encore un match retour. Et voilà, et on va donner le maximum, même si c'est vrai qu'on aurait aimé repartir avec un tout autre résultat. Mais voilà, maintenant, on s'est comparé avec un handicap, mais il faudra se donner les moyens de rattraper cet handicap pour justement aller chercher la qualification, même si on est conscient que ça va être difficile. Mais voilà, on va faire le maximum, on va tout donner pour faire un tout autre match. L'état d'esprit dans le vestiaire, voilà, c'est de rester soudés tous ensemble, d'y croire, parce que voilà, dans un bon jour, on a la qualité pour faire un exploit. Et que voilà, il faut se concentrer et faire le match qu'il faut mardi. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver les mots parce qu'on est... On est abattu par ce match-là et c'est même une désillusion parce qu'on n'est pas venu avec l'ambition de perdre ce match, on est venu pour le gagner et voilà, malheureusement ça ne s'est pas passé. Match retour à domicile, dans d'autres conditions, avec un esprit de revanche, un esprit de conquête et le talent, chez nous on l'a, maintenant il faut être... Voilà, faut être déterminé à renverser la vapeur et à y croire. Parce que voilà, si on y croit, je pense qu'une bonne entame de match, on marque dès le départ, après tout peut arriver. On est tombé face à une belle équipe ukrainienne, très solide, bien en place. On a eu du mal à trouver des solutions par le biais de passes courtes ce soir. Il nous a manqué peut-être un peu de profondeur. Mais bon, après on est tombé aussi face à une équipe qui nous a lancé un défi physique. On y a répondu, mais je pense qu'ils ont été légèrement supérieurs et ils ont eu aussi la réussite en leur faveur. Donc voilà, maintenant bien sûr il y a de la déception, on est dos au mur, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et on va bien préparer ce match retour. On sait qu'il va falloir mettre tous les ingrédients pour faire un match quasi parfait. Et maintenant, chez nous, avec nos supporters, j'espère qu'on arrivera à faire basculer le résultat en notre faveur. Ah, je vous garantis qu'il y avait de l'envie de notre côté aussi, mais ça a été un gros combat. Parfois à la limite, Franck a eu un traitement de faveur ce soir. L'arbitre, parfois, enfin du moins, n'a pas été contre cet engagement-là, mais... Voilà, ça fait partie du jeu. L'Ukraine a fait un très bon match, a été très solide et nous, il nous a manqué ce quelque chose ce soir. Mais comme je l'ai dit, reste un match retour et on va tout faire pour aller chercher cette qualif. Déçu. Déçu parce qu'on voulait gagner ce match-là. Hein. Pas se mentir, on voulait gagner. Donc voilà, ce soir, on perd le match, on prend deux buts, c'est difficile. Maintenant, on sait qu'il y a un match retour. On va tout faire pour gagner ce match-là et se qualifier.